les droits des personnes LGBTQI en Europe actuellement sont très divers. On a vraiment une situation contrastée avec des pays du Nord et surtout de l'Europe de l'Ouest qui sont plutôt bien avancés, dont la plupart ont reconnu le mariage, soit l'union civile, et la possibilité d'adopter des enfants et souvent de faire une procréation médicalement assistée, alors qu'en Europe de l'Est, on se retrouve avec des pays où la situation est beaucoup plus difficile, des législations qui empêchent de parler de l'homosexualité et des obstacles sur le terrain, et parfois même une situation qui a tendance à se détériorer de plus en plus. Alors, actuellement, quand on a un enfant dans une famille homoparentale, le conjoint est obligé d'adopter son propre enfant pour voir ses droits reconnus et surtout pour garantir la sécurité de l'enfant avec ses deux parents légalement reconnus. Le gros souci, c'est que c'est une procédure qui prend du temps et qui coûte de l'argent et des fois plus d'un an. Et donc, pendant cette période, s'il arrive quelque chose à la maman qui a accouché, l'enfant se retrouve à la garde de ses grands-parents, mais la deuxième maman n'a légalement aucun droit dessus. Donc on attend vraiment maintenant, dans le débat de la PMA, que soit aussi prise en compte cette question de la filiation et qu'on ait un modèle calqué sur la filiation pour les couples hétérosexuels, où on puisse enfin reconnaître l'enfant directement en mairie. Comme ça, on n'aura plus à passer par ces procédures qui sont très longues et lourdes. En Europe, ce qui est intéressant, c'est que sur le domaine LGBTQI, on a vraiment une grande diversité d'associations qui travaillent dans tous les domaines et dont beaucoup agissent sur le terrain. La difficulté, c'est que ça peut être des petites associations, surtout dans les pays qui sont les plus en difficulté au niveau de ces droits. Donc, il faut les aider pour mieux se coordonner et avoir de plus en plus d'audience. Sachant qu'en face, on a des forces très organisées, très liées au mouvement religieux et qui ont des financements très importants. Donc une force de frappe contre laquelle on a besoin de s'organiser au niveau international. Au niveau européen, mais au niveau national aussi, il y a vraiment deux grands modes d'action. Le premier, c'est de faire du plaidoyer politique pour obtenir des nouvelles lois. Donc ça passe par gagner un peu la bataille de l'opinion publique en présentant la vie concrète des gens et ensuite en travaillant au niveau législatif, en proposant des solutions, en proposant des argumentaires, en convaincant des journalistes et des personnalités politiques. La deuxième grande méthode, c'est de passer par la voie jurisprudentielle, en fait, en essayant de grignoter des droits, en montant jusqu'aux plus hautes juridictions des pays, et ensuite en s'appuyant sur la Cour européenne des droits de l'homme et certains des droits fondamentaux qu'elle protège, le droit à la vie familiale, la liberté de circulation, la protection de la vie privée, par exemple.